Piste cyclable à Montreuil, boulevard Chanzy, voie départementale, donc aménagée pour la ville, par la ville et par le département, puisque donc nous sommes sur une route départementale, donc c'est la Seine-Saint-Denis qui finance une partie. Alors, bon là ça passe juste, mais il y a les travaux, c'est normal. Et on va continuer comme ça un certain temps. Donc là les potelets ils ont sauté, normal. Donc là c'est une voie à double sens pour les vélos. Donc bon, moi j'espère que je croiserai personne parce que ça passera pas. On verra bien. C'est la fin du marché, c'est un peu le bazar, c'est normal. On peut voir que ça ne convient pas à grand monde là, parce qu'il est encore là assez calme. Là, nous sommes dans la partie des aménagements dits provisoires et réversibles. Donc là, on a une voie à double sens, plus de stationnement. Voilà, selon la tendance actuelle. Je dis ça parce que je suis autant cycliste qu'automobiliste, parce que je travaille beaucoup avec une voiture. Et puis je fais, de toute façon, je m'en sers ma matière personnelle énormément, pour des raisons pratiques et d'utilité, enfin vraiment d'utilité. C'est pas pour acheter mon pain à 250 mètres de chez moi. Bon, je vais quand même passer... Je vais pas respecter le feu rouge pour la vidéo parce que sinon elle va être trop longue. Voilà. Donc là nous sommes encore dans une partie où la voie cyclable est provisoire et réversible. Bon là elle est moins matérialisée et elle est des deux côtés de la chaussée. Ce qui pour moi est plus logique. Donc là je préfère. Et dans peu de temps nous allons arriver dans le vif du sujet. Sur une partie qui a été une partie du boulevard Chanzy qui a été refait entièrement à grands frais. Vous pouvez imaginer puisque la voirie ça coûte très cher, donc vous allez voir la partie suivante où la chaussée, les trottoirs, tout était cassé, élargi, revu dans tous les sens. Donc ça a coûté des millions d'euros pour une belle piste cyclable. Voilà. Donc là, bon, le côté ville abandonnée, bon, ça, voilà. Côté terrain vague, vous voyez, moi, je perds un peu le contrôle. Voilà. Hop, les marquages réapparaissent. Voilà. Et après, on passe dans la partie... la partie neuve, donc là attention la bosse, ça va faire mal. Hop là. Et donc là nous arrivons sur la partie nouvellement faite. Donc le boulevard Chanzy puis avenue de la République ont été refaits totalement. Donc chaussée, trottoir, trottoir modifié, élargi. Voie cyclable sécurisée, donc très belle voie cyclable, vous allez voir. Voilà, avec des potelets, on sait pas à quoi ils servent. Alors là, voilà, je passe au centimètre. Donc si vous voyez, si je fais ça tous les jours, et puis s'il y a des vélos dans les deux sens, ou je sais pas quoi, enfin bon, parce qu'il peut y en avoir. Là, vous voyez, tous ces potelets, voilà. Super pratique. Voilà, j'ai touché. Voilà, c'est comme ça tout le long. L'horreur pour moi. Voilà. Intéressant, non? Donc voilà, je vais rouler à deux à l'heure. Voilà. Pour pas toucher.
et je sais pas à quoi ils servent. Enfin si, pour empêcher les bagnoles. Voilà. Les vilains délinquants automobilistes. Voilà, alors là. Bah là je passe pas. Voilà, là je ne passe pas. Et zut. Hop. Tiens, je vais essayer le suivant. J'essaie le suivant. Alors, si ça passe. Non, ça passe pas. Je suis coincé, ça passe pas. Je réessaye. Là je touche le trottoir. Et voilà. Ah si ça. Ah si ça passe en frottant. Ah si, je suis passé. Ouais. Alors je sais pas combien de millions ça a coûté hein, tout ça. Hein. Je veux pas savoir. Même si je devrais avoir envie de savoir parce que c'est avec mon argent. Ah oui, les bus, bah les bus ils se croisent, mais faut pas qu'il y ait une voiture qui dépasse parce qu'ils passent plus. Contrairement au boulevard Paul Vaillant-Couturier, voie départementale où les bus ne se croisent pas. Vous savez que c'est une toute petite artère montreuilloise. Bah, alors là, est-ce que je passe? Là, je touche le trottoir. Non, je ne passe pas. Passe pas. Magnifique, hein?